Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation, comme pour graver la notion dans la mémoire. Émergence. Le disant, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur, le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'Ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le mette à l'abri des soucis existentiels de base, nourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'Ivoirien de demain. Et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. Ensemble, nous y parviendrons. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur nos routes avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit qu'il dort dîne. Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés.